Le groupe islamiste Al-Shabaab, à nouveau responsable ce dimanche d'une attaque meurtrière à la voiture piégée à Mogadiscio. Le général somalien Mohamed Roble a été tué. Il se trouvait dans un convoi avec ses gardes du corps, dont 7 ont perdu la vie. Le groupe terroriste Al-Shabaab a revendiqué l'attaque sur la radio Andalus. Toujours selon cette radio, un kamikaze conduisait le convoi du général. Dernièrement, Al-Shabaab a utilisé l'attentat à la voiture piégée pour mener des attaques meurtrières contre des policiers, des soldats et des responsables gouvernementaux. Le groupe avait perdu le contrôle de grands centres stratégiques en Somalie après le déploiement des forces de l'Union africaine en 2011.